Bonjour à tous, c'est Electron et aujourd'hui on a la chance d'avoir dans le studio la toute dernière InMotion. Je sais que je vous ai fait languir là sur la chaîne il n'y a pas très longtemps, je vous ai lancé une vidéo. C'était vraiment pour attirer votre attention, pour que vous activiez votre cloche afin de ne pas rater cette présentation unboxing de la version bêta de ce qui va sortir très prochainement. Dans le commerce. Donc il faudra être attentif. Je vous remercie fortement parce que c'est grâce à ma communauté, euh, grâce au petit rayonnement qu'elle qu commence à faire tout doucement, qu'il y a des sociétés comme Items qui me contactent et qui me laissent l'exclusivité totale sur la présentation du produit. Alors je vous l'ai dit avant même que Google n'ait la moindre photo, la moindre vidéo. C'est pour ça que vous m'avez harcelé sur Facebook et sur Instagram. Je n'ai rien dit du tout, car il était très important pour moi d'être digne de la confiance qu'Item avait portée euh, sur mes épaules et sur la chaîne. Et puis le fait de l'avoir respectée, eh j'espère que ça nous portera d'autres occasions pour vous présenter encore toujours plus de produits en avant-première. La société Items, elle est déjà là depuis quelques années. Ils font la marque King Song, donc ils sont... Au taquet niveau gyrorou, trottinette, vous pouvez les trouver directement dans le lien en description ou si comme moi vous préférez palper, toucher, essayer les produits, eh bien ils ont des revendeurs comme Mobility Urban Paris, Lyon, Toulouse ou bien encore Mobilityx que vous pourrez trouver à Alençon, à Nantes, Le Mans ou encore Rennes. Il y a aussi plein d'autres boutiques, je ne vais pas tous les énumérer, parce que je sais que vous êtes impatient de voir ce qui se passe derrière moi, donc je vous laisse aller surfer euh, sur leur site tranquillement et euh, prendre les informations qui vous intéressent individuellement. Vous avez compris qu'aujourd'hui, Items pèse dans le game, et on arrête de bavarder, je sais même si vous aimez me regarder comme ça, blablater pendant des heures, que vous êtes là uniquement pour savoir ce qu'il se passe sous cette bâche. Donc sans plus de blabla, on va retirer la bâche. Là, vous découvrez simplement un carton et je sais que vous avez hâte de voir ce qu'il se cache en dessous. J'avais préparé le carton, il n'y avait plus qu'à vous montrer cette magnifique machine et puis on va vraiment la regarder sous toutes ses coutures pour voir un petit peu ce que nous propose Inmotion dans cette nouvelle V12. La version InMotion V12 qui est devant vous est la version quasiment définitive. Il n'empêche que cette machine est une version bêta. Elle n'est donc pas exactement la machine qui sera vendue dans le commerce très prochainement. Je vais vous décrire un petit peu ce que je vois. On va découvrir la machine ensemble. Donc, dans son aspect général, on a une forme un peu rectangulaire dont toutes les arêtes ont été euh, parfaitement arrondies. Du coup, on a un savant mélange entre euh, rondeur et agressivité. Ici, on a un noir mat sur quasiment toute la partie plastique de la machine. Par contre, au niveau du rond ici, qui est lui euh, un peu laqué. Et eh bien derrière, on va avoir des LED. Je reviendrai sur les LED par la suite. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment de vous montrer son look global. Donc on commence par la partie de droite. On a une belle machine, arrondie sur le bas, un peu plus carré sur le haut. L'intégration du pad latéral, il est vraiment parfait, très très bien incrusté. Il me semble super bien fixé. Il n'y a vraiment pas question de venir le décoller. On a quelques vis ici et ici, mais vraiment parfaitement intégrés également dans la machine. On a le beau logo Inmotion orange ici avec un rappel sur les pédales. On a des grandes pédales, je vous donnerai les dimensions juste après. Et ces pédales, on va pouvoir régler trois euh, hauteurs sur cette version bêta. Donc ça c'est assez intéressant, on verra ça dans la phase test. Mais euh, pour le côté euh, latéral, moi je le trouve vraiment très propre, très bien fini. On est chez Inmotion, hein. Inmotion ils savent faire des machines, ils savent vraiment bien euh, euh, peaufiner les finitions et, euh, et la machine qui est devant moi est euh, vraiment très bien fini. Moi je trouve que ce look rectangulaire, ça lui donne un, un côté très robuste et en même temps les petits arrondis, eh bien ça adoucit un petit peu la machine et du coup ça, ça donne un savant mélange entre robustesse et rondeur et, et design. Qu'on a un bouclier qui est très bien fini, ici les petits trous, eh bien ils vont servir tout simplement à faire passer le son parce qu'à l'intérieur du museau, on a une enceinte, on verra tout à l'heure, mais il y en a une aussi à l'arrière et donc on a ce look qui est, euh, qui est vraiment sympa. Toujours pareil, hein, on est vraiment entre rondeur et agressivité, mais, euh, mais sur une finition qui est euh, quasiment parfaite. Ici, j'ai retiré la petite languette. Je vais vous montrer ça, une chose à la fois. Je vais revenir pour bien vous montrer les pédales de la machine et l'ensemble général. Donc les pédales, elles font à peu près 24 cm de longueur et on a 13,5 cm de largeur. Donc on a déjà des pédales assez conséquentes et euh, qui vont donner, je le souhaite, euh, un bon confort. On va partir sur la partie arrière de la machine. La partie arrière, elle ressemble un peu à ce qui se passe devant, sur la partie coque plastique en bas et en haut. Par contre, forcément, on va avoir un garde-boue qui semble tenir très bien la route et surtout une petite béquille centrale qui tient très bien la machine et qu'il ne faudra pas oublier de remonter quand elle est posée en position pliée. Il n'y a pas trop de danger que ça vienne redescendre. On sent bien qu'on a une petite résistance. Ici, dans la partie haute, pour le moment, ce que propose Inmotion, eh bien, c'est deux sorties euh, USB et USB-C et la prise de charge. Donc ça, on verra. Peut-être que sur les versions définitives, on, euh, on aura euh, quelque chose qui est un peu différent. Sur le côté latéral, je vais y revenir quand même un petit instant. Moi, je trouve vraiment qu'on a un aspect qui va ressembler... Euh, à ce qui se faisait avant du côté des V10, le côté un peu arrondi avec le logo Inmotion. Et puis en haut, on est plutôt sur un truc qui ressemble un peu à la V11 avec le côté un peu plus carré. Le mélange des deux, moi je trouve que ça matche bien, mais ce qui matche surtout, c'est vraiment la qualité de finition de la roue, qui est vraiment, il euh, n'y a vraiment rien à dire. Au niveau du pad, il est ultra bien intégré, il est très propre, il semble fin, pas forcément très amorti. Mais euh, comme la roue est vraiment plate et qu'il n'y a pas de protubérance, il n'y a pas un endroit qui va venir frotter et qui à terme pourrait venir nous irriter. Je pense que niveau confort, on ne devrait pas être trop mal. Ça, on verra aussi dans la phase test. Mais, euh, mais sur la globalité, je pense que je ne vais pas arrêter de le dire parce que je suis vraiment sous le charme de cette machine. On va venir parler du dessus de la machine, donc un dessus très arrondi avec une poignée. La poignée intègre parfaitement un bouton que vous allez naturellement appuyer et qui va stopper la machine quand vous voulez la porter. Vous avez une petite détente ici qu'on vient attraper avec l'index et qui libère le trolley. Donc c'est un trolley sur une seule barre avec une poignée qui est bloqué dans sa version dépliée et pour le replier tout simplement eh bien on va appuyer sur la détente et venir reposer le manche de trolley. Donc quand il est dans sa version pliée et qu'on n'appuie pas sur la détente il est bloqué tout ça est bien propre, l'intégration du trolley est propre également dans l'ensemble on a vraiment un produit abouti on se rend pas compte que c'est forcément une version bêta. Dans son aspect global je vais vous parler quand même des mensurations on a une machine qui fait 60 cm sur 49 et sur 19. Donc on a une machine qui est très compacte avec une très bonne batterie. Je vais y venir après, ne vous inquiétez pas. Mais on va rester sur l'aspect global et côté aspect global. Inmotion nous a habitués à voir des jeux de lumière assez sympas. Eh bien, le jeu de lumière sympa, il est au rendez-vous. On a des LED intégrés parfaitement ici à l'arrière, dans le rond sur le côté. Et donc on a la même chose en façade et de l'autre côté vous allez pouvoir sur l'application venir jouer à changer les modes d'allumage de ces LED mais surtout et là je vais revenir au capot de la machine à l'allumage et eh bien vous allez avoir ici un petit écran display super sympa qui doit faire environ 3 cm sur 4 cm et demi qui est tactile et sur lequel vous allez pouvoir afficher le tableau de bord de la machine et donc l'allumage avec un bouton parfaitement intégré sur le capot, vraiment joli, et il y a une raison à cela, je vais y venir aussi après. Et donc ici, ce que je vous disais, c'est ce display digital qui est très agréable à manipuler. Il m'affiche le max speed, euh, le kilométrage instantané, la température de la machine, les watts que je suis en train de consommer à l'instantané, kilométrage journalier et enfin le kilométrage total de la machine avec une belle photo de l'Inmotion V12. Dans sa partie euh, display roulage, on va avoir le kilométrage instantané, les voltages de la batterie, le kilométrage journalier et un schéma visuel du niveau de la batterie. Ici on va pouvoir aussi aller attaquer les paramétrages de la machine. Donc c'est une machine actuellement qui est vendue pour rouler sur route fermée jusqu'à 60 km/h. Vous avez la possibilité de choisir deux alarmes et encore un mode off-road. Alors je sais que dans les specs qui avaient été annoncés, on parlait de 70 km h Donc ça, ce sera la grande question et on y pourra y répondre qu'une fois la V12 définitive sortie. Si on fait défiler l'écran, on va pouvoir également choisir la sensibilité des pédales, la lumière qui s'allume automatiquement, les lumières d'ambiance allumées ou non. Et donc je ne vous avais pas dit de bêtises. Là, je vais pouvoir choisir les couleurs. Que vont afficher les LED, la vitesse à laquelle elles vont défiler et puis les allumer tout simplement. C'est vraiment très très joli. Je vous ai dit que le display était parfaitement intégré et le bouton d'allumage aussi. Et il y a une raison qui est euh, une cause à effet à cela, c'est qu'Inmotion nous annonce une machine qui est IPX5. Ça y est, il y a un constructeur qui assume, on va pouvoir rouler sous la pluie avec sa machine. En 2021, il était temps. J'ai hâte que tous leur emboîtent le pas, et on va pouvoir se régaler par tout temps. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Il est temps d'attaquer les specs de la machine. Je sais que pour certains, ça peut être un petit peu redondant, mais là, c'est quand même une grosse sortie. Donc, ça nous intéresse tous de savoir ce qui se trame derrière cette Inmotion V12. Première chose. J'ai passé la machine à la balance. La version bêta pèse 29,1 kg. Je vous l'accorde, c'est un peu lourd. Ce n'est que la version bêta, donc à savoir si euh, elle va maigrir ou grossir, ça on verra bien. Ça va dépendre surtout des matériaux utilisés et des cellules qui vont utiliser pour la batterie. Dans son côté assez compact, avec une très bonne poignée bien solide, elle se porte quand même. Mais, euh, mais voilà, pourquoi les 29,1 kg eh bien, ça joue aussi, elle a une batterie de 1750 watts D'après les calculs in motion, je pense qu'elle sera annoncée aux alentours des 140 km d'autonomie, ce qui est vraiment bien, très intéressant. Ça veut dire qu'un ride normal, on va faire, je pense, dans les 110-120 km. Côté moteur, là, c'est très intéressant. La V12, c'est du 100 volts. Donc, on va avoir un moteur puissant et à l'accélération et au freinage. La puissance, elle sera de 2500 watts. En tout cas, c'est ce qui est là actuellement avec une puissance en pic de 5000 watts. Vitesse maxi. Là, on n'est pas encore bien sûr. On nous avait annoncé 70 km/h. Pour le moment, route fermée, on est à 60 km/h, ce qui est déjà énorme avec un bon gros couple. Je pense que les essais vont être vraiment sensationnels. Elle est capable de supporter jusqu'à 120 kg, monter des pentes jusqu'à 35%, bref, elle paraît pas, mais c'est un petit monstre. Vraiment, je pense qu'on va se régaler très prochainement. Par contre, elle m'a été fournie avec un chargeur de seulement 1,2 ampère ah. heure. Ça voudrait dire une charge aux alentours des 15 heures, ça me semblerait vraiment très long. J'espère qu'Inmotion va nous fournir la version définitive avec un chargeur un peu plus puissant et peut-être deux ports de charge à l'arrière qui pourraient nous permettre d'acheter un deuxième chargeur en supplément. Je pense que ce sera la décision d'Inmotion. Maintenant, je ne peux pas parler pour eux, mais sur les roues de cette envergure-là, je crois que c'est déjà ce que Inmotion avait fait sur la V11. Ça permet d'avoir une grosse batterie et une capacité de recharge plus importante. Ça, c'est pour la version bêta. On verra sur la version définitive. On a réussi à se faire prêter cette machine. J'espère que sur la chaîne, on verra aussi la version définitive. C'est là que je vous invite à être bien abonné et à activer la cloche pour ne rater aucune vidéo, surtout des exclusivités comme celle-ci. Parce que vraiment, euh, euh, ce serait dommage de passer à côté. C'est même impossible de passer à côté. De la machine, je vous ai quasiment tout dit, toute cette puissance, toute cette autonomie, elle va être transmise au Macadam par des pneus en 16, par 3 un dessin pneumatique qu'on connaît déjà qui est très silencieux sur le macadam qui envoie très très bien la puissance sur sol sec et mouillé avec ce pneu là en 3 de large, on va avoir une bonne adhérence dans les chemins et pour les plus extrêmes d'entre vous, ça va permettre de faire un peu d'off-road. D'ailleurs en parlant d'off-road, si mes informations sont exactes, cette machine va être testée en Belgique par mon ami Cosmo, donc il devrait nous tester la puissance de la machine et nous faire son retour. Donc n'hésitez pas à aller regarder ce qui se passe du côté des Belgium Wheeler. Et puis un bon test off-road doit forcément être confronté à un bon test route. Et quoi de mieux que Monsieur Flex pour nous dire son ressenti du test et la présentation de sa machine. Et ça, je crois, si mes informations, encore une fois, sont exactes, que vous le trouverez également sur sa chaîne. Donc voilà, bien sûr, sur la mienne, vous trouverez également mon test de la machine dès que j'aurai l'autorisation de sortir d'ici. Et croyez-moi, j'en ai vraiment envie. Donc, on va vraiment pouvoir avoir l'avis de tous. Et c'est le but, hein, parce que je pense que vous êtes vraiment très curieux. Et comme elle n'est pas là de sortir dans le commerce, enfin, elle va arriver, mais il va falloir patienter encore un petit peu. Eh bien, vous allez avoir du biscuit, vous allez vraiment pouvoir vous régaler. Et je suis certain que Cosmo et Monsieur Flex, pour ça, il n'y a vraiment pas de doute, ils vont nous régaler. Bien sûr, en ce qui me concerne, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air. Ça, ça me fait toujours plaisir. J'espère que j'ai rien oublié. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Il n'y a aucun souci. Vous pouvez aussi me dire en commentaire ce que vous pensez de cette machine, de son autonomie, de son look, etc. Je vous remercie de m'avoir suivi encore une fois. Je vous dis à tous, à très bientôt. Et je vous souhaite, comme d'habitude, de très bons rides.